Je dois t'assassiner. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu veux m'assassiner? Regarde sa robe. Ils sont carrément en plein milieu du salon. Ils sont déterminés, hein. On va se les faire, ceux-là. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour un tout nouveau challenge 3h du matin. Et oui les gars, aujourd'hui, j'ai comme une petite envie de contacter mon jumeau démoniaque. Et oui, c'est quelque chose que j'avais fait la semaine dernière, vous avez plutôt bien kiffé. C'était une expérience très 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 spéciale. Et puis, oh bah Spooky, tiens, t'es là, tu tombes bien toi, ça va, tranquille? Tu passes une bonne petite soirée? Bah ouais, moi ça va, tranquille, je te chill devant la télé, tu vois. Eh, en plus, regarde, je suis en train de regarder tes vidéos, RobTech. Ah ouais, c'est vrai ça. Là, franchement, je me régale tranquille. Et puis toi, tu fais quoi là en fait? Eh bien, moi, tu sais quoi, j'ai eu carrément l'idée de contacter mon jumeau démoniaque. Et puis attends, toi aussi, on pourrait contacter ton jumeau démoniaque. Eh, ça te tente ou pas là? Ça te parle? Bah ouais, mais t'es sûr que ça pourrait fonctionner sur moi? Eh bien, figure-toi que oui. Et puis de toute façon, on a qu'à essayer. Mais normalement, je dis bien normalement, tout le monde peut contacter son jumeau démoniaque du temps qu'il est 3h du matin. C'est juste la seule condition en fait, hein. Bah ouais, franchement, je suis trop chaud. Mais par contre, comment est-ce qu'il faut faire pour contacter son jumeau démoniaque? Bah en fait c'est trop facile. T'as tout simplement qu'à contacter ton propre numéro de téléphone à 3h du matin. Et oui, ça c'est très important. Et puis normalement tu devrais carrément entrer en contact avec ton jumeau complètement démoniaque. Oh, c'est aussi simple que ça? Oh bah franchement, peut-être là je suis partante, hein. Eh vas-y, on commence. Mais oui, bah bien sûr qu'on peut déjà commencer, parce que regardez, il est déjà actuellement 3h du matin. Oui. Et donc ça veut dire que tous les éléments sont réunis. Et attends, peut-être j'ai une question là. Si c'est pas moi qui réponds au téléphone et qui répond au message, c'est qui répondra à ma place? Eh bien ça peut que être ton jumeau démoniaque. Ça veut dire c'est toi-même mais en démoniaque. On va essayer et tu vas voir. Et on va commencer doucement. Tout d'abord, on va envoyer des messages, ok? Ok. On va voir si ça va répondre déjà. Ok. C'est stressant, franchement c'est stressant les gars. Et avant tout qu'on commence à faire quoi que ce soit, déjà on s'abonne, on met un petit commentaire qui fait plaisir. Voilà, allez, on y va, t'es prête ou pas? Allez, let's go, c'est parti. Mais attends peut-être, parce que là je sais pas quoi envoyer comme premier message et ça me fait stresser tout le truc. Tu prends pas la tête, tu t'envoies bonjour, voilà, c'est terminé. Plutôt bonsoir quand même, parce qu'il est quand même 3h du matin là, non? Oui, c'est vrai, il est soir, il est l'heure de 3h du matin. Bon, vas-y, écris bonsoir, voilà, te prends pas la tête et tu envoies. Oh, ok, ça y est. T'as répondu ou pas? Non, pas encore. Ça répond pas. Bon, vous savez quoi, on vous reprend directement quand ça répond, parce que je crois que ça va être un petit peu long là. Ouais. Allez, à tout de suite. A few moments later. Oh bah je crois qu'en fait mon jumeau démoniaque il s'en fout de moi. Je sais pas, franchement je sais pas, c'est vrai que ça répond pas, ça ne répond pas. Peut-être on voit le message, peut-être ça a bugué. J'espère que ça va répondre quand même là. Écoute, au pire des cas, si toi de ton côté ça fonctionne pas, moi je vais essayer. À mon avis ça devrait fonctionner. Non, ça répond pas, ça veut pas répondre. Écoute, tu sais quoi, on va essayer d'appeler en FaceTime. Essaye de déclencher un appel en FaceTime et puis voilà, on verra bien, non? Ok, bon bah j'appelle directement en FaceTime. Regardez ça. Aïe, là c'est du sérieux, là c'est du très sérieux. Mais ouais, là ça rigole pas les gars. C'est un vrai appel en FaceTime. Là, tu vas savoir tout de suite si ça va répondre ou pas, hein. On va savoir tout de suite si ça fonctionne ou pas en tout cas, hein. Eh franchement, j'espère que ça va répondre, sinon c'est pas drôle, quoi. Attends, je crois que ça répond pas, hein. Non, ça veut pas répondre. Ça a franchement échoué. Mais écoute, tu sais quoi, on va pas se prendre la tête et on va passer à mon tour. Oui, ça va être à mon tour cette fois. On va pas perdre de temps, j'ai pas envie de perdre de temps, moi je vous le dis pour cette vidéo. J'ai envie de passer à l'action, moi. Je l'appelle en FaceTime, hein. Oh bah ouais, vas-y, essaye, hein. Pourquoi pas. Ouais, let's go. Et bah oui les gars. Les gars, c'est du sérieux, regardez. Là c'est du très sérieux. Je viens de déclencher un appel en FaceTime. Faut se préparer mentalement les gars. Attends. Oh, ok, ça a répondu. Bah oui, oh, oui, ça a répondu. Allô. Allô? Comme si que ça faisait pas très longtemps qu'on s'était déjà appelé. Oh oui, c'est vrai. Tu m'as manqué. Je t'aime tellement. Oui, je t'aime tellement. Attends, de quoi? Je t'ai manqué? C'est si mignon ça. J'espère que tu vas bien en tout cas. Oui, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Mais toi, je pense que ça va pas aller pour longtemps. Quoi? Pourquoi? Assassiné. Quoi? Mais oui. Je dois t'assassiner. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu veux m'assassiner? Eh oui. Attends. Quoi? Oui, yes. Que je puisse voir son sang. C'est toi, c'est ton jumeau démoniaque, Yaya. Ouais, mais. On va se les faire. Attends, ce qu'elle dit. On va les tuer. On va vous trouver.
Quoi? Eh, c'est mon jumeau démoniaque. Oui, eh, est-ce oui, que oui. tu penses qu'on peut leur dire de venir jusqu'à la maison? Waouh, c'est un peu dangereux ça, non? C'est un peu dangereux ça. Ouais, ouais, je pense, mais franchement, je suis trop curieuse. Eh, est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez venir là ce soir? Oui, on va venir. On va venir. Ah, on arrive tout de suite. On va venir. Attends. C'est un peu dangereux, non? Ouais, j'avoue que ça a raccroché. Les gars, je vous jure, ça a raccroché. Mais attends, Rob, ils vont vraiment venir là? Bah oui, je crois qu'ils vont vraiment venir. Mais attends, comment est-ce qu'ils peuvent venir? Ils ont même pas notre adresse, c'est impossible. Yaya, figure-toi que c'est nos jumeaux démoniaques. Alors je peux te dire que ils peuvent carrément venir ici sans problème, à mon avis, hein. Surtout okay. à l'heure de 3h du matin, hein. Ça m'étonnerait même pas, quoi. Attends, là je pense qu'il va falloir quand même prendre des dispositions parce que on sait pas forcément ce qui peut se passer. Hein. Là, Robtek, je t'avoue que tu m'as embarqué dans une sale histoire là. Non. Ah, ça va, faut pas stresser, faut juste pas trop stresser. Oh non. Ils sont déjà là. Ouais, ça a sonné. Ouais, ça vient de sonner. La sonnette elle vient de retentir, quoi. Yaya, tu vas voir. Toi, vas-y, tu peux y aller. C'est à toi. Oh non, mais toujours les sales corvées. Allez, vas-y. Ok, j'y vais. Allez, viens par là. J'ai trop peur. Allez, va ouvrir la porte pour voir. Viens. Vas-y. Attends, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour venir aussi rapidement? Je comprends pas. Franchement, c'est pas étonnant. Allez, ouvre la porte, vas-y. Ok, j'y vais. Mais attends, avant que j'ouvre la porte, là, je te rappelle qu'ils étaient très menaçants au téléphone. C'était terrifiant. C'est vrai, vas-y, ouvre la porte. Vas-y, j'ouvre. Allez, vas-y. Approchez, non, c'est mon jumeau démoniaque. Viens par là. Ton jumeau démoniaque, il était là, et il était juste là, hein. Non, mon jumeau démoniaque a disparu. Mais attends, mais t'es sûr qu'on peut pas rentrer dans la maison, là? Essaye pour voir. Non, on est bloqué, Robtek, on est bloqué. Donc là, maintenant, là, du coup, la porte d'entrée est verrouillée. Je crois qu'on va devoir passer par l'arrière-cour. Mais oui, par le jardin, plutôt. Bah suis-moi, Robtek, il faut qu'on fasse le tour pour rentrer dans la maison. Allez, viens, vas-y, par ici. Eh, franchement, là, on n'a pas le choix, on est obligé de rentrer du côté du jardin. Ouais. Eh, mais par contre, faut qu'on fasse attention avant de rentrer, ok? Ouais. Faut qu'on soit vigilant, ok? Attends, Robtek, il y a un gros problème là. Regarde par la fenêtre, il y a un gros problème là. Ils sont là, les gars. Regardez ça. Tout se passe en plein milieu du salon, c'est horrible. Oh non. Eh, je crois qu'ils sont pas là pour rigoler, hein. Eh ouais. Ils sont armés. Eh, Yaya, regarde, ils sont armés, ils sont équipés. Ah ouais, ils sont vraiment pas là pour rigoler, tu vois ça? Ah ouais, j'avoue, franchement, c'est terrifiant là. Attends, viens, regarde du côté de la porte-fenêtre. Viens, vas-y, t'as raison. Non mais regarde ça, Rob. Eh ben ouais, ils sont carrément en plein milieu du salon, ils sont déterminés, hein. Eh ouais. Franchement, hey, Rob, comment est-ce qu'on va faire pour gérer la situation? C'est ça le problème. Je crois qu'on va pas pouvoir rentrer dans la maison en fait là, non? Non, c'est pas possible. Alors là, c'est pas possible. Là, je crois qu'on va jamais pouvoir rentrer dans la maison. Oh non, comment on va faire, Yaya? Attends, je crois que c'est le moment de rentrer. Ils sont partis de l'autre côté du salon, dans le couloir. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée là? Oui, je te jure, Robtek, c'est le moment de rentrer. Il faut qu'on y aille là. Bah vas-y, on va en profiter. Vas-y, ouvre la porte. Vas-y. Viens. Alors attends, il y a Spooky là, faut se cacher. Oui, faut se cacher quelque part, je sais pas moi. Sous la table, derrière le meuble télé peut-être, non? Non, là, derrière le canapé. Okay, vas-y, je te suis. Viens. Cache-toi. Chut, bruit. Regarde, ils sont juste là-bas. Ouais, ils sont vraiment de retour. Ne fais pas de bruit. Il va falloir que je me cache à la cuisine. Chut, regardez, il arrive. J'arrive. Tu vas pas vouloir aller bien loin. Tu vas pas pouvoir. J'arrive. Ok, j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre choix de me cacher quelque part dans la cuisine. Où est-ce que je peux me cacher? Vite, juste là. Chut, ok, je me suis caché. Il est là.
Tu vas pas pouvoir aller bien loin. Où es-tu? Où te caches-tu? Franchement, bonne cachette. Franchement, t'as bien dû te cacher quelque part, mais je vais te trouver. Je vais te trouver. Bah, il me cherche de partout. Oh non, 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 je stresse à fond là, les gars. Désolé, je stresse. Je vais bien finir par te trouver, hein. C'est soit tu sors de ta cachette de toi-même, ou soit je vais te trouver. Ah oui, je vais te trouver. Où es-tu? Où es-tu? Oh, il m'a pas vu, il m'a pas trouvé. Je sais pas comment est-ce que c'est possible, mais j'ai de la chance. Je crois que j'ai eu de la chance. Il est remonté jusqu'au salon. Oh non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on va se sortir de cette situation? Et puis, oh non, où est Yaspooky? Où est Yaspooky? J'espère qu'elle a juste eu le temps de se cacher quelque part. Hein. Mais vous savez quoi? Je vais remonter. Oui, je vais remonter. On va remonter, les gars. Faut que j'essaie de trouver Yaspooky. Faut que j'essaie de la retrouver. Attendez, regardez là. Oh, ils sont encore là, tous les deux là. Oh là, ça va être difficile. On va les retrouver, c'est une façon, on va les retrouver. Eh ben, on va se les faire, cela. Vous savez quoi? Je vais monter tout en haut à l'étage. Va falloir que j'essaye de passer discretos. Allez, j'y vais. Chut. Ok, j'ai réussi. Ça va, j'ai réussi à me grimper déjà jusqu'à l'étage. Eh, faudrait que j'essaye de trouver Yaya maintenant, moi. Attendez, peut-être les toilettes, non? Oh, Rob, j'ai trop peur là. Tu m'as fait stresser de fou là, Robtek. Toi, ça va ou pas? Bah ouais, franchement, moi je prends aucun risque depuis tout à l'heure, je suis cachée dans les toilettes quoi. Écoute Yaya, c'est plus possible, ça peut pas continuer comme ça, ça peut plus durer, t'es d'accord? Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est plus possible. En vrai, faut bien faire quelque chose, mais tu veux qu'on fasse quoi là? Bah écoute, il faudrait les éliminer. Oui, faudrait carrément les éliminer. Je sais pas comment est-ce qu'on peut faire, mais faut les éliminer, voilà. Hein, quoi? Mais t'es complètement taré là, Robtek. Non, c'est pas possible. Si, bien sûr que c'est possible. De toute façon, c'est la seule solution. Non, moi j'ai une autre solution, c'est de s'enfuir de cette maison là, c'est pas possible. Non, on peut pas s'enfuir. Ouais, mais tu veux faire comment alors, hein? Eh bah écoute, on va les éliminer, moi je te le dis. Eh, Yaspooky, fais-moi confiance. Allez, tu me suis, tu te dépêches. Oh, ok, je te viens. Eh les gars, la seule façon de s'en débarrasser, c'est de les éliminer. Il n'y a que ça à faire normalement. C'est toi, Yaspooky, c'est ton jumeau démoniaque. Oui. Moi je m'y approche pas, hein. c'est pas possible, hein. je peux pas. Mais Yaspooky, c'est pas compliqué. Du temps que ton jumeau démoniaque se retrouve tout seul, et bah pour le coup, on peut essayer de l'éliminer. C'est facile. Ok Yaspooky, garde la caméra et tu me suis, ok? Tu me suis. Je vais essayer de l'éliminer. Viens, je vais essayer de le prendre par derrière et de lui mettre un coup dans la nuque. Viens. Chut. Oh, regarde. Mec, du premier coup, t'as vu ça, Yaya? Eh, bon bah ça fait un de moins, non? C'est déjà pas mal quand même, hein? Eh, franchement, Robtek, t'as assuré là. Franchement, t'as fait le plus gros du boulot. Eh, en vrai, moi, je pense que je me sens capable d'éliminer ton jumeau démoniaque. Eh, on devrait le trouver assez facilement. Eh, ça va pas être compliqué à trouver. Eh, viens par là. Eh, je pense qu'il est... Ah, oh, regarde, dehors, il y a de la lumière. Eh, viens, je crois qu'il est parti dehors. Eh, franchement, on va se le faire, là. Eh, j'en peux plus, là, de cette situation. Eh, viens par là. Eh, fais attention, vas-y doucement. Juste là. Où êtes-vous? Okay, viens par là. Eh, faut pas se rater, hein. Fais attention, Yaya. J'espère qu'il va pas se retourner, qu'il va pas me voir là. Sinon, je suis foutu. Allez, j'y vais. Où es-tu? Wow. Ok. Oh, oui, je crois que j'ai réussi. Ça y est, le boulot est terminé, on en a fini avec nos jumeaux démoniaques. Eh, franchement, j'en pouvais plus là, ça commence à partir trop loin. Hein. Oh, ouais, alors là, franchement, Yaspooky, je veux quand même te dire que tu m'as impressionné. Oui, viens, rentrons tranquillement maintenant dans la maison. Et oui, là, ça y est, la liberté est à nous, les gars. Et oui, ça y est, on les a éliminés. Franchement, GG. Check ça. Là, franchement, on peut que se féliciter, les gars. Bah oui. Ouais, franchement, ce soir, c'était pas une tâche facile, mais quand même, on s'en est bien sorti, hein. Oh. Oui, on s'en est plus que bien sorti, je veux dire. C'était quand même quelque chose de très très fun à faire, mais c'était aussi quand même quelque chose de très très dangereux. Hein, tu peux le dire, ça, Yaspooky. Eh ouais, franchement, c'est très dangereux, les gars. Et surtout, ne reproduisez pas ça à la maison, les gars. Ne prenez pas de risques. La seule chose que je vous demande de faire, les gars, maintenant, c'est de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Hein, oui. Ça fait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas déjà fait. Et puis bon, sur ce, on se retrouve très très prochainement pour de tout nouveaux challenges 3h du matin. Allez, ciao!